La plus ancienne, la plus célèbre, la plus convoitée de toutes les épreuves routières mondiales, le rallye de Monte-Carlo en est à sa 47e édition. Samedi 20 janvier 1979, jour J pour plus de 200 concurrents, qui s'élancent simultanément de 9 points de départ à travers toute l'Europe pour un parcours de concentration de quelques 2300 km. Le départ français est donné, place de la Concorde. Allez, allez!
À Monaco, les Ford Escort de Hanno Mikkola et Björn Valdegaard ont déjà pris un sérieux avantage sur les Fiat de Marco Allen, Horl et Andrew. Darnish n'est que sixième à plus de 2 minutes et 30 secondes devant Nicolas et sa Porsche. Vainqueur 1978 Fréclin sur la R5 Alpine mène le groupe 2 de très peu devant Terrier et sa Golf. Après une nuit de repos, 192 équipages prennent la route pour les 32 heures du difficile parcours commun long de 1300 km avec 14 spéciales, où les Ford Escort parfaitement équipés en pneumatiques sur des routes moins enneigées que prévues vont encore faire merveille. Yeah.
épreuve nocturne sur le circuit de glace de Serre Chevalier. Bon, alors, je lui demande à Moreau qui tire le collier. Ça va, on a fait une petite erreur dans le chevaux des pneumatiques à Pont du Fossé, mais enfin je crois que Jean-Luc a fait la même erreur et on avait les mêmes pneus et il y avait un peu de brouillard, on lui reprend 20 secondes. On n'a pas le temps de se déplacer pour faire la sortie. Ouais, le taré. Bon, alors vous préparez 4 GF7 pour le taré. Je pense pas qu'il n'y a pas de la neige. Il n'y a pas de neige pour le taré. Non. Pareil que ce sera sec. On n'a pas vu. Il n'y a pas de. Enfin, sec. Pas sec, mais. Comment c'est? Non, le taré, c'est pas sec. Mais non, parce que. Comment c'est? Oh, il y a. Il y a 8 km de neige. Dans la montée. I like snow, but it's not snow, only some plain ice. But anyway. Voilà du temps. Là du temps. Faut pas se presser. Non, c'est quand on a pas pire un drame. Thank you.
Okay, that's number four. Thank you.
pour une pénalisation routière qui lui coûte 5 minutes, Anne-Nicolas devait laisser le commandement à Val-de-Garde. À Monaco, il se retrouve en 5e position derrière les 3 Fiat, Dallon, Rorl et Andruet, largement distancé par la Ford du Suédois intouchable. Darnis sur sa Lancia Chardonnay est toujours 6e, mais à 6 minutes 27 secondes. Terry a pris le meilleur sur Fréclin dans le groupe 2, mais rien n'est joué. Pas plus qu'en groupe 1 ou Clar sur Opel Kadett a un excellent beau chef et son escorte à ses trousses à 30 secondes. Swatton mène plus largement dans le groupe 3. Chez Michelin, où l'on manipule des montagnes de pneus, on fourbit les armes de la contre-offensive. L'ingénieur Pierre Dupasquier fait retailler certains pneus et sortir les gommes tendres. Tout cela dans une ambiance de grand prix. De 7 pouces, il y en a 7. De 8 pouces, il y en a 8. Ça, oui. C'est pour la Porsche. Oui. Également, de 9 pouces, on en met 8. D'accord. Pour la Stratos, donc c'est 6,5, 8. De 8 pouces de large, on en met 4. Là, on en met 12. Pour Alpine, apparemment, ils ont toutes leurs roues, ils ont tout monté. Oui. On prend simplement quelques pneus quelques en réserve. Pneus, 12, tout ça. Voilà. Frost on here now? No, maybe not. You don't think so? We couldn't get into the stage. Is there no hoar frost on the road up here? No. If there's no hoar frost, I think you'll be all right. The other end. C'est un vrai rallye ? Oh bah, ouais, c'est le rallye Monte Carlo. Hein. Oui. Non, mais je fais ce que je peux, j'attaque au maximum et puis à l'arrivée on fera les comptes et puis on verra bien. Si toutefois je suis à l'arrivée, on verra bien où on en est. Hein. Pour le moment, on roule. C'est bien. On roule pour vous là. Et il y sera, Bernard Darniche, sur sa Lancia Chardonnay, en remportant les 10 crashs successifs. Et Alain Mahé aura bien fait les comptes, puisqu'avec 6 secondes d'avance seulement sur Val-de-Garde, il remporte ce 47e rallye Monte-Carlo, follement disputé, jusqu'à l'aube du 7e jour. Oui, Bernard, on connaît le dénouement de ce Radio Monte-Carlo et le formidable Mano à Mano qui a été engagé hier soir à 18h. Entre Val-de-Garde et Darnis, vient de rendre son verdict à la fin du dernier Turini. C'est-à-dire qu'alors qu'il reste 45 km de route très très facile pour rentrer à Monaco, l'équipage vainqueur est vainqueur pour 6 secondes, Darnis, Mahé devant Val-de-Garde et Torzelius et
Et j'ajouterai quand même...